ordures. Ma chérie. Ma chérie. Mais la séparation, c'est de la boucherie. C'était aussi le but du film, c'est-à-dire que ça ne m'intéressait pas du tout de raconter ma petite histoire personnelle, que je ne trouvais pas intéressante, mais ce qui m'intéressait, c'était de raconter ce qu'on ressent quand on se sépare, en fait, quand on se fait plaquer, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette souffrance, en fait ? Je me disais, j'y arriverai jamais, j'ai mal partout, j'ai mal au corps, j'ai mal au ventre, j'avais des absences, alors j'ai eu des pertes de mémoire, enfin, des trucs improbables et tout. Et je me disais, mais... Et donc j'en parlais aux gens qui me tapotaient l'épaule, qui m'écoutaient. C'était une énorme souffrance de devoir faire comme si tout allait bien. Ça va aller, tu vas t'en remettre, ça va mieux maintenant. C'est quoi tes projets? Et mes projets, c'est de me lever le matin, de mettre un pied après l'autre et de pas me laisser flotter dans la piscine comme ça. J'ai pas de piscine, hein, mais c'était la métaphore.